Moments oubliés qui remontent à la surface des images. Je vais chercher l'ami Jean-François No à l'aéroport. Ensuite, je l'emmène à Corcoué. Il récupère la voiture de son père et nous nous retrouvons chez son frère. C'était il y a 2 ans. Et alors que je termine cet épisode du journal filmé, le hasard fait que j'ai revu Jean-François hier. Il m'a appris que son père était décédé il y a 7 mois. Je ne le savais pas. Il est vrai que je ne lis pas la rubrique obsèques du journal local. Ah, mets ta valise dans le coffre parce mais que... Tu fais des travelling en voiture. Mets ta valise. Parce qu'il y a mon fils qui va squatter la voiture grave là. Plein de bordel. Du film de l'autre. Ouais, c'est dangereux. Le journal filmé forme des boucles, des cercles concentriques qui traversent le temps. Comme parfois on a la sensation étrange d'avoir déjà vécu une scène, d'avoir fait un même geste, prononcé une même parole. Étrange sentiment de dédoublement, projection d'un double jeu lorsque soudain le filmeur devient le spectateur de son existence. Prendre l'apéro. Bon bah peut-être pas quand même parce que... C'est pas l'heure. Faut que j'aille bosser après. C'est la boîte, il y a les dates, tu vois. Tout frais. Tout frais, tout chaud, tout bouillant. Tout chaud, tout bouillant. Tu peux dormir combien là? Là on n'est pas deux chacun. Moins que deux, là, ça y est. Là on est à deux chacun. Là. Des graines de potimarron et de patidou. Maintenant, les enveloppes, elles servent plus à envoyer des courriers, mais à mettre les graines. J'ai mis un petit estragon, des estragons que j'ai fait, des plants. Et ça, c'est Olivier de la Lande qui est. C'est de la cibulette de son jardin. Olivier de la Lande, il fait un jardin permaculture en forme de mandala. Si, quand même, on coupe plus de temps, parce que j'y croyais encore. Bon, c'est vrai que c'est du côté administratif en général. Parfois, je me demande si le journal filmé a véritablement quelque chose à voir avec le cinéma. En terminant cet épisode, je crois pouvoir répondre que oui, puisqu'il participe à la fabrique des doubles, cette caractéristique anthropologique qui est au cœur de la fabrique du cinéma. Comme l'a démontré Edgar Morin dans son essai
le cinéma ou l'homme imaginaire, que j'ai lu et relu, et dans lequel aujourd'hui je puise sans compter, pour trouver les raisons de poursuivre cette tâche infinie dont la fin se confondra avec la mienne. Bonjour. Bon allez, bisous. Bon allez. Ouais, bon voyage.